D'accord. Très bien. Donc là, on attend patiemment que le décompte disparaisse. Encore 30 secondes, donc parfois c'est un petit peu long quand même à attendre. Donc là, les fameuses barbettes correspondent au ping que vous avez sur le serveur. Donc évidemment, plus votre ping est bon, et plus vous arrivez entre guillemets à anticiper les tirs ou enfin à ne pas être embêté par le lag tout simplement. Je pense que ceux qui ont déjà joué FPS avec du lag savent de quoi je parle, c'est un peu difficile à exprimer. Et vous avez un décalage en fait par rapport aux autres qui ont un meilleur ping que vous. Donc, plus votre ping est proche de zéro et plus vous pouvez pas mettre ça sur le compte du lag. Donc voilà, donc ensuite vous devez choisir le point où vous allez apparaître. Et en haut de la carte, donc vous avez à gauche les États-Unis, à droite l'Allemagne, et les petits plus donc correspondent au point que nous devons capturer, donc soit A, B et C. Donc vous pouvez courir, vous pouvez vous accroupir, vous pouvez vous allonger. Au niveau du système de visée, donc système de visée classique on va dire. Donc on peut même monter sur des vélos à plusieurs, ce qui est assez marrant. Parce qu'il faut savoir que tout s'achète, hein, les véhicules et tout ça, si vous voulez en avoir un, il faut mettre la main à la poche. Donc là on se dirige vers le B. Tout ça c'est mes collègues, hein, les points bleus. Faut savoir qu'il y a aussi un système de repérage de l'ennemi. Donc dès qu'un de vos collègues est en train d'attaquer un ennemi, il apparaît sur l'écran, le HUD, avec un triangle rouge au-dessus de la tête. Donc comme vous avez des triangles bleus, ce sera un triangle rouge pour l'ennemi. Donc autour, donc, vous avez la barre de capture. Donc là par exemple, la B, on sait qu'il y a au moins un voire plusieurs ennemis. Mal sorti, donc là on va pouvoir continuer à avancer et surtout pas se transmettre à découvert parce qu'il y a des snipers. Voilà, vous voyez donc ma vie en bas à gauche qui diminue pas mal parce que là j'ai pris un peu cher. Je sais pas trop ce qu'il y a ici. On va balancer de la grenade, on va voir si on peut faire les dégâts. Bon, c'était pas mal. J'ai la vie qui commence à souffrir un peu. Je pense que le gars doit être à droite. J'y vais un peu à l'ancienne. Attention, il y a de la grenade à droite. Au fond. Ah, bien joué. Donc là, il m'en a mis une à travers les deux yeux. Ouais, tir dans la tête. Un beau tir. Donc par contre, donc on respawn toujours au même endroit. Donc, ce qui est un peu embêtant quand on est justement en train d'essayer de se défendre un peu sur certains points. Alors, voilà, je vais vous faire voir le vélo. Alors, en fait, j'ai pas changé mes touches, donc c'est un peu chiant. Parce que du coup, je suis avec le W. Et voilà, hop, à vélo tranquillement. Dirige vers le point B en plus de manière écologique. Donc là j'entends le bruit d'un véhicule. Je sais pas trop où il va, mais il y va. Donc là on a pris un peu de retard quand même au niveau des points parce qu'on avait perdu le point B au profit de l'Allemagne. Voilà, ça fait un peu. Attends, descendre. Position, essayant de faire un contournement, pas rester on va dire là où sont la plupart des autres. Celle-là elle est pour moi. Là, je sais pas d'où
ça vient. Ah, ça vient sur ma droite. Je suis un peu aveugle. Ah oui, elle a été belle celle-ci. Comme je l'ai dit, moi j'y vais en mode allongé. On est en train de capturer le point depuis ma position. En fait, vous pouvez voir que je suis tout seul parce qu'il y a un 0. Je suis le 1 en fait. Un bleu me correspond à ma personne. Apparemment, il y en a un qui m'a vu. On va rester caché. C'est pas possible. Attends, je suis bien caché. Donc là, il va venir essayer de me tuer. Est-ce qu'il veut pas partir? Ouais, bon là j'y suis allé un peu. Mais bon, je l'ai touché quand même, mais mes collègues n'ont pas été d'un soutien énorme. Donc on va y retourner, hein, de toute façon. C'est plus beaucoup de vie, donc ça servait pas à grand chose. Donc là on est en train de perdre le point B. Et donc voilà, donc là je suis monté à l'arrière du vélo de mon collègue. Ah, par contre j'ai l'impression qu'il avait pas que de l'eau dans sa gourde. Donc là en plus on a toujours le point C. Mais ouais, on est en train de perdre le point C. Je sais pas où il m'amène par contre. Après voilà, quand on est tributaire comme ça de votre collègue qui vous emmène dans ses trous, faut toujours faire un peu attention. Là ça fight au point B, clairement. Essayer de trouver une point de protection. Bon, ah, je suis très mauvais. Je crois que j'ai tué. D'avoir une vingtaine de fois dans mon viseur, je l'ai raté. Ah, il y a des fois, je suis un peu meilleur quand même. Je suis en train de me faire tirer dessus, je sais pas d'où. Voilà, là on tire parce qu'on voit la flèche, hein, clairement. Même si on n'a pas de visibilité. Faut pas hésiter.